Yo, salut à tous. Dans cette vidéo absolument incroyable, on va apprendre à changer l'objectif d'activité. Vous voyez, il est 16h20, on a 440 calories d'activité sur un total de 500. Et peut-être que vous vous dites un jour, mais j'y arriverai jamais, etc. Ou peut-être tout simplement que vous voulez avoir un objectif différent pour le week-end et la semaine. Par exemple, la semaine, 500 calories parce que vous allez vous entraîner tous les jours, que vous bougez, etc. Et le week-end, si vous ne faites rien, et bien vous pouvez descendre votre objectif à 300 calories, par exemple, pour faire juste un petit peu pour bouger quand même. Mais vous serez peut-être moins actif que quand vous êtes au travail. Pour cela, c'est très simple, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être compris. Clac, j'étais sur l'Apple Watch, la Watch Faces, la tranche normale. Je clique sur, j'ouvre l'application activité, et une fois que vous êtes sur l'application activité, vous allez faire tout simplement un force touch dessus. Et là, vous voyez en bas, il y a Change Move Goal qui doit être traduit froidement par changer l'objectif de calories, l'objectif move ou se bouger ou je sais plus comment il s'appelle. Et là, avec votre petite molette, et bien, tatan, tatan, si vous voulez descendre à 450 ou même le monter à 550 par exemple, on va éviter de me tout. Hop, et vous voyez que dynamiquement, ça se change automatiquement sur mon Apple Watch. Alors vous pouvez le changer quand vous voulez, l'idée c'est quand même pas de tricher non plus sur votre application activité, puisque je rappelle que l'appli a pour but de vous motiver à vous sortir le doigt et non pas de vous motiver à gagner des badges uniquement en trichant bêtement. Idem, de la même manière, moi, mon objectif est à 500 calories parce que c'est l'objectif qui me suffit pour me motiver à partir de chez moi pour aller faire du sport. J'y suis allé ce matin par exemple et je sais que ben, peut-être là je vais aller remarcher un petit peu pour finir d'arriver à mes 500 calories. Je pourrais très bien mettre 100 et je serais à 1000% de complétion dans mes partages de challenge, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est réellement de trouver un objectif qui vous motive et que vous allez battre tous les jours en faisant une activité en plus de ce que vous faites normalement. Des bisous.